On est reparti. Pop. Ah tiens, si on parlait à la galérienne. Non? Non bah paniqué. Vous avez bousculé les choses, pionnière. Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer. Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative. Les PVA. Il ne reste plus qu'à les dépenser. Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité. C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier. Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromède viable, ce qui renforce nos capacités à tous. Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de stase. Vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à Prodromos? À vous de décider. Breka vous présentera l'interface et il gérera les détails. Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie dans Andromède, sans vouloir vous mettre la pression. Rebonjour, pionnière. Comment le Nexus a réagi à nos installations? Nous envoyons les gens où vous nous l'indiquez, parce que c'est là qu'ils seront les plus utiles. L'heure n'est pas aux préférences. Madame la directrice. Au revoir, pionnière. Donc, comment je gère les PVA? Ah, là, je suppose. Bonjour, pionnière. Je suis Vladimir Breka, administrateur du déploiement cryogénique C63 Galati. Votre première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative. C'est une blague? Oui, bien sûr. Mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission. La viabilité d'Andromède et les seuils du Nexus sont vos outils, votre récompense et notre avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'Andromède? Une bonne partie des préparatifs dans la Voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite. Les seuils concernent la capacité, mais là il s'agit du coût, de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens. Les points sont un système assez rudimentaire, mais ils ont le mérite d'être clairs. Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer. Comment vous mesurez ces seuils? Ils sont basés sur une estimation des ressources et sur la stabilité générale. Ce sont des indicateurs des objectifs... Yeah, comment j'en ai passé level 20? Plus vous accomplissez de choses, plus notre capacité de prise en charge augmente. Et plus l'initiative peut vous soutenir. T'as 20 niveaux d'écart pour attraper Dana. Plus vous en faites, plus on peut se développer. Donc, je dois décider quel groupe réveiller. Mais tout le monde finira par sortir de stase, non? Absolument. Mais les choses ont un ordre. Elles doivent rester organisées. On ne peut pas déployer d'omelette sans déployer d'abord des œufs. Et ces œufs ne vous donneront pas de steak. Sauf qu'on parle de gens et du commencement de notre nouvelle vie. Bon, Breka, je commence par où? L'interface est active et ne répondra qu'à une pionnière. Elle est prête pour votre première sélection. Vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative. Cool. Alors, nous avons soit les modules. Pourquoi les commerciaux, c'est l'image de Krogan? J'aurais vu. Militaire, une image de Krogan. Bref. Alors. Toi, permet de faire l'équipe. Ok. Militaire. Chasse, force spéciale, reconnaissance, tactique de l'Apex. Ça pourrait être intéressant, il y a le team Apex. Infrastructure, relation. Voilà, à jouer avec mon joystick, je le perds. C'est intelligent ça. Alors attends. Relation, j'ai gris.
Ouais, alors, je vais sortir les Team Apex. Et attends, je me surpose 2 secondes. Donc, j'ai retrouvé mon joystick. Hey, viabilité. Allez, oh, ça en a 80%. Cool. Alors, par contre, il n'y a que 5 planètes. 1, 2, 3, 4. Pas censé avoir 7. Bon, c'est pas grave. Probabilité. Bon, enfin bref. Papalapapa. Alors, attends. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, dans tous les cas, il fallait que je retourne voir Sam. Ah non, faut que j'aille dans une cryogénique. Oh, ça doit être kiffant de créer la première radio du coin. Allez. Go, go, on s'amuse. Oh là là, il y a plein de trucs à faire. Ces enfoirés d'exilés ont intercepté une grosse cargaison de matériel médical à destination de Prodromos. Nos éclaireurs ont confirmé qu'ils ont distribué le matériel dans leurs propres avant-postes. Je verrai si je peux les récupérer. Ce serait génial. Merci. Vous pourrez peut-être régler le problème quand vous tomberez sur ces salopards. Ok, ok. Attends, si, c'est toi que je veux parler. Harry, qu'est-ce qui arrive à Scott? Eh bien, on l'a sorti du module. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais Sam a réussi à le trouver, en quelque sorte. Je ne vous suis pas. Il est toujours dans le coma, mais il a également un implant comme le vôtre, et Sam a réussi à y accéder. Il lui a parlé. Mais c'est génial! Il va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Pour le reste, je laisse faire Sam. Même si Scott est dans le coma, ses processus mentaux restent intacts. Alors, il va bien? Vous n'avez qu'à lui demander. Laissez-moi juste établir la liaison avec... C'est un peu con, cette histoire de coma du frère. Allez-y. Scott, est-ce que tu m'entends? C'est toi, ça va? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un souci avec ton module de stase. Tu es dans le coma, sur l'Hyperion. Tu comprends? C'est vrai? Comment ça se fait qu'on peut se parler? Sam s'est connecté à ton implant. Ton état est stable. Tu es en sécurité. Tu es à l'infirmerie. Je vais devoir te croire sur parole. Je sens rien du tout. Mais je t'entends. Papa va bien? Ah! Bah, on va lui dire tout de suite. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il est mort, Scott. Quoi? Il y a eu... un accident. Qu'est-ce que... un accident? Mais... comment? Mais papa... Je sais. C'est arrivé très vite. On n'aurait rien pu faire. J'arrive pas à croire. Je sais qu'il aurait voulu être ici. On a trouvé un foyer au moins? Papa n'arrêtait pas de dire que ce serait super.
temps de voir ça. C'est incroyable. Encore mieux que ce qu'on imaginait. J'espère que papa l'a fait. Bien sûr. Je devrais être à tes côtés. T'as toujours été tenace. C'est pas une petite sieste qui va te retenir. Non, sûrement pas. Papa voudrait qu'on continue. Maman aussi. Ouais, où qu'il soit, j'imagine que maman est en train de l'engueuler parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne s'agissait que d'une connexion temporaire. Son état reste stable. Désolé, j'ai pensé que c'était mieux que rien. Je vous tiendrai au courant. Merci, Harry. Ça doit être cool, t'es dans le coma et tu fais « Ah ! On me parle !» Ah, j'ai des points de compétences. Tiens, je suis monté niveau 10 juste en discutant. Mais oui! Pouvoir biotique. Tésor chat, je régénère entièrement les boucliers qui sont réduits, les gars, pense. Ah bah oui. Voilà, j'ai ma charge à fond. Cora. Qu'est-ce que je peux te monter? Pour te monter ça. Pavet. Putain, mais. Hey. Putain, mais c'est long pour accéder à un personnage quand même, putain. Alors. Ah oui, non, c'était la carte que je voulais voir. Y'a rien de plus. Allez hop, allons dans les habitats. Pour voir s'il y avait autre chose. Je sais plus s'il y avait quelque chose. Non. Point d'habitation. Une violente maladie liée à un petit fruit rouge de l'habitat 7 laisse les autorités perplexes. Plusieurs passagers sont toujours en quarantaine. Vous êtes sur SIH. SIH. Et avant de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose? Eh ben finalement non. Donc on se casse ici. Lueur d'espoir pour les résidents en manque de sommeil. Les lampes solaires qui refusaient de s'éteindre dans certaines zones vont être réparées. Vous êtes sur SIH. Temps de chargement dans les jeux. Visiblement qu'on a la SX pour pouvoir avoir moins de temps de chargement, apparemment. Y'a rien de spécial. Mais j'avoue que j'ai pas visité là-bas. Ouais. Attends, quoi que. Hey, j'avais une mission ici. Putain, c'est grand ici en fait. J'ai l'impression que je suis vraiment en train de faire du sport là.
Bonjour, pionnière. Un tour dans les rochers, ça vous tente ? Absolument. Qu'est-ce que je peux faire ? Avec Sam, on a créé une IV d'études géophysiques à partir de vos scans. La version bêta est sur cette console. Si vous l'essayez sur le terrain, je m'arrangerai pour qu'Addison vous rémunère comme consultante. Ça vous dit ? Mais viens me parler, connard ! Personne de recherche. Ah oui, mais c'est ma recherche à moi. Ça y est, rien de plus du coup. Pionnière, merci pour vos scans. Vous pourriez en faire un peu plus pour notre projet de préservation comparative ? De la préservation comparative ? Ah, vous pouvez lire ma thèse sur cette console. En gros, on compare et on préserve des organismes des deux galaxies. Si vous ajoutez plus de scans et d'échantillons au catalogue, je vous offrirai un dédommagement. Ça vous tente ? Y'a trop... Non, là par contre, ça va pas le faire. Non, là ça va pas le faire. Tu m'as coincé là. Là, tu m'as coincé. Bouge ! Merci. Bonjour, pionnière. Vous auriez un moment ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Ça me raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths ne lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc SAM. Je vous les ai enregistrées sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnière. Et remercie aussi Sam de ma part. Oh, maintenant, faut que je retourne au bloc SAM. Foutez de ma gueule. J'avais bien sélectionné une autre mission. Pour l'habitation, de toute façon, faut aller là-bas. Hey. Le streamer finit coincé par un PNJ qui ne bougera plus. Fin du game. T'imagines ? Veuillez recommencer tout le jeu. T'as quelque chose à dire, toi. Attention, engagement de discussion dans 1, 2... Hé, pionnière, j'ai deux mots à vous dire. Y'a un problème ? Oui, votre père. Il pose problème à tout le monde. On paye tous les pots cassés de Monsieur Alec Ryder. Il a abusé de la confiance de Jen Garson et il nous a envoyé tout droit dans ce traquenard. Maintenant, elle est morte et on ne tardera pas à la rejoindre. C'est peut-être la faute de mon père, mais je vais tout arranger. Le même ego démesuré que son père. Toujours à croire que vous pouvez tout régler par vous-même. Allez vous faire voir, pionnière. Moi aussi, je t'aime bien. Hop. Attends, je me suis perdu là ? Ah non, c'est bon. Tac tac. Ravi de vous retrouver, Sarah. J'ai des équations pour toi. Le docteur Aridana du labo technique a envoyé des équations qu'elle voudrait que tu résolves. Je suis prêt. Je te les transfère. Amuse-toi bien.
Hein? Qu'est-ce que... Sam? Code malveillant détecté. Veuillez patienter. Sam? Tentative d'annulation du code malveillant. Veuillez patienter. Je peux faire quelque chose? Sam? Il est en train de réfléchir à des calculs. C'est encore une défaillance ou... Sam, tu essaies de montrer quelque chose? C'est ça? Non, c'est pas le bon ordre. Attends, c'est quoi le bon ordre? Pas ça? Okay, tu vas là. Je crois que c'est bon. Tu vas ok, là. Je crois que c'est bon. Sam, parle-moi. Bonjour, pionnière. Veuillez démarrer la console pour rétablir les opérations normales. Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Les équations contenaient un cheval de Troie, un virus. Spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Comment tu te sens? Tout va bien? Je ne ressens pas la douleur. Cela dit, je préférerais ne pas renouveler l'expérience, ce qui est le rôle de la douleur chez les êtres organiques. Déverrouille la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. Sale pute! T'es toujours possède devant toi. On se casse. Ah non, on t'avait déjà parlé de toi. Ah mais le temps qu'il faut vous parler à un putain de PNJ. Pionnière. Oui, en plus pour rien quoi. Je dois y aller. À plus tard. Faites attention. Il y a des quêtes par-ci par-là partout. Qu'est-ce qu'on s'éclate à mort? Alec Ryder a trouvé la mort après son atterrissage sur l'habitat 7 dans le système Ericsson. Sa fille l'aurait remplacé en tant que pionnière, prenant le commandement du Tempête pour continuer à chercher une terre d'accueil dans Andromède. Vous êtes sur SIH. H. Un peu plus de biomatériaux et on pourra mettre sur pied une banque de vaccins. Bonjour, pionnière. Sam a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées? Les résoudre? Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que j'ai... Jamais! Je hais la violence, que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment le virus a pu se retrouver dans vos équations? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à Tan. Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents. Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Face à toutes ces incertitudes, peut-être qu'ils veulent simplement se sentir en sécurité? Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosque IV était HS ce matin.
Je vais essayer de me renseigner. Ryder. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé Alvina en marionnette. Donc notre virus vous a libéré. J'espère que vous allez mieux maintenant que cette IA ne vous empoisonne plus le cerveau. Vous avez envoyé ce virus pour me libérer de Sam ? Pas moi. Notre mouvement. On ne pouvait pas vous laisser souffrir à cause de cette chose dans votre tête. Pionnière ? Il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Allô ? Ryder ? La séparation a été très soudaine. Je suis reconnaissante, mais encore dans le cirage. Ça va passer. Vous comprenez la mission de notre mouvement. La justice dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah ! La justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. J'aimerais remercier la justice en personne. Et je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Ils sont cons ! Parfait, merci. Je ne vous promets rien, mais... surveillez vos emails. Au revoir. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA, dirigé par une dénommée La Justice. Elle et ses disciples semblent bien connaître la relation. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Bon. J'avais des points d'interrogation un jour. On a du mal à charger, quoi. Si, putain, il y a bien un truc que j'avais sélectionné tout à l'heure. Ces coupures de courant n'ont aucun sens. Quel est le problème ? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh, ben, merde, vous... vous êtes la pionnière. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. Merde, putain, j'ai même pas lu ce que t'avais dit. Ça m'est arrivé qu'un autre PJ bug et qu'il me coince et dû recommencer alors que j'étais quasi à la fin. Sur un autre jeu. Oh, tu m'étonnes, ça va être chiant ça. Ce n'est pas un problème anodin pour le Nexus. Je veux vous aider. C'est vraiment sympa parce que là, j'y comprends rien du tout. On a des courts-circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnière, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Moi, ce qui était arrivé sur Mass Effect 3 avant-hier, c'est il y a un ennemi que je devais tuer et il apparaissait pas. Attends, je dois scanner la chose, la zone plutôt. Certains, professeur. Alors, Sam, collecte plus de données sur les formes de vie de ce secteur. Tout ce que tu trouveras. Un autre court-circuit. Bienvenue au centre d'échange culturel. Passez une agréable visite. Tout sera bientôt opérationnel. Il y en a des missions à faire dans ce coin-là quand même. Le
trouvé la mort après son atterrissage sur l'Habitat 7, dans le système Ericsson. Sa fille l'aurait remplacée en tant que pionnière, prenant le commandement du Tempête pour continuer à chercher une terre d'accueil dans... C'était SIH. Vous êtes sur SIH. Ah non, c'est vous êtes sur SIH. Rappel à tout le personnel. Les heures supplémentaires restent en vigueur. Combien de fois j'ai raconté cette histoire ? Je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant. Sans blague, t'as compté ? Demande au professeur Eric de venir le récupérer. C'est pas drôle. Ah mais attends, crois que t'es là ? Ryder, cet endroit est pas croyable, hein ? Une station spatiale un peu cabossée ? Vous auriez dû la voir il y a un an. Elle était pas juste un peu cabossée. Enfin, merci de m'avoir accueilli. Dan ne peut plus me virer de la station maintenant. Et j'ai pu passer un peu de temps avec ma petite fille. Elle vous avait vraiment manqué, hein. C'est rien de le dire. Elle a pas besoin de ma protection, mais c'est rassurant d'être pas loin, au cas où. Pionnière, bravo pour l'avant-poste. Ça va peut-être décrisper Addison. Comment ça ? Ça la préoccupait vraiment que l'initiative n'ait toujours pas établie d'avant-poste. Ça se comprend, mais je suis content qu'elle puisse enfin se concentrer sur quelque chose. Ce sera tout. Une mission du coup. Bon, on peut enfin se casser. Eh, on a repassé je sais pas combien de temps. Allez là-bas. À scanner, à parler. Tralala. Bon, journal, qu'est-ce que nous avons comme mission ? Une lueur d'espoir, aller dans le système... Ok. Bon, ça c'est autre chose. Ça faut attendre. Ça hop. Le Nexus. Attendez le mail. Ok. Tâche supplémentaire. Fournisseur Miguel. Trouver. Scanner la faune Andromède. Récupérer les ressources de la fabrique des armes. Attendre que Kiri soit disponible pour une nouvelle interview. Parler à l'assistance à Addison. Et on avait oublié de parler à l'assistant d'Addison et on était à côté. La passion du jeu, à chercher des conneries. Pionnière, la répartition des PVA se poursuit conformément à vos indications. Bien sûr, l'interface demeure accessible. Mais on t'a déjà parlé, toi. Procéder à tout ajustement nécessaire. C'est un bon protocole et un bon processus. Maintenant, on peut vivre.
pourquoi vous avez rejoint l'initiative ? J'étais enseignant. C'était une belle vie. Je voyais les avantages et les inconvénients qu'elle m'apporterait jusqu'à la fin. Vous avez pesé le pour et le contre et le résultat était aller d'Andromède ? Non, c'est juste que je n'aimais pas être capable d'en voir la fin. Ici, je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve. J'ai plus l'impression de vivre. Mais j'ai pas dit de quitter ! En quoi puis-je vous aider ? Ah bah non, en fait, ça me met d'office ici. J'ai rien dit. Ok. Pionnière ? Et un à leur tour. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative ? Consultez l'interface de PVA. Elle récapitule votre progression en détail. Et votre avis à vous ? Vos progrès me ravissent. Rendez mon travail obsolète, pionnière. Je vous mets au défi. Il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de stase. Son nom et sa désignation, si vous la connaissez. C'est tout ? Vous allez le faire comme ça ? Vous êtes pionnière. Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention « Contester les décisions de la pionnière ». Par contre, je note toutes les interactions. Si votre demande crée des problèmes, vous en serez sans aucun doute tenu responsable. Que ça reste entre nous ? Voici les informations. Le déploiement commencera bientôt. Il vous fallait autre chose, pionnière. Une autre fois. Pionnière ? On va enfin pouvoir retourner à notre vaisseau. Conflit interespèces. Échec des négociations autour d'un programme scolaire commun à l'ensemble de l'initiative. Les Asaris s'estiment lésés. Vous êtes sur SIH. D'accord, il n'y a plus rien. On va dire qu'il n'y a plus rien. Du coup, on refait un tour de l'équipage pour parler avec eux, pour se dire « Ah, toi, je t'aime bien. Ah, toi, je te mettrais bien dans le lit. Ah, si. » On s'envole, on s'envole. Alors. Ryder ? Oui. Ah, attends, tu me parles ? C'est que t'as envie de parler de quelque chose. Le manuel du vaisseau m'est bien utile. Mon bureau était un peu bancal. Si vous aviez pris le temps de le lire, vous sauriez que le Tempête est un orchestre de nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas juste trafiquer. J'ai préparé ce vaisseau au décollage en un temps record, Kalo. Je sais ce que je fais. Et vous n'avez pas le moindre respect pour les autres. Kalo ? Oh, Ryder. Navré que vous ayez entendu ça. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Pour être honnête, Gil m'insupporte. Il insiste pour refondre les systèmes plutôt que de les entretenir. Il aime faire les choses à sa manière. Ça ne veut pas dire que ce soit la bonne. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipe ? Liam est amusant. Peu d'humains ont autant d'énergie. Par contre, je n'aurais sûrement pas dû lui dire qu'il y avait des compartiments secrets dans l'armurerie. Il a passé la journée à chercher. Vous savez... Bon. Ah ! Terminal de messagerie. Ah oui, mais ça c'est ce que j'ai déjà fait.
D'ailleurs, vous imaginez pas le nombre de fois que je défends mes croyances. Il suffit de se confier un tout petit peu. Très bien, et croire en notre supérieur. Être bien porter plusieurs casquettes, plusieurs montres, disons. Je vois pas quoi le problème, hein. Bizarre, j'ai troqué des chocolats contre sa bière maison. Et sacrément faute. Ok. Ryder, je ferais mieux de mien. Ça marche. Pas de blabla en plus. Bon, disons qu'il n'y a pas de blabla en plus. Go pour la suite. Ah. Quand tu vois de loin la planète, c'est pas l'idéal. Oui, c'est ça, putain. Depuis tout ça, il fallait que je change mon équipe. Je l'avais pas fait. Je veux. Drac. Et je veux. Petra. Possible. Synchronisation, trajectoire stable. Et puis, on peut s'amuser à sauter. À sauter. Pionnière ? Je t'ai même parlé, toi ? Pionnière ? Jacob Mitney, recherche et développement. Mon équipe prend encore ses marques, mais on a fait une découverte qui devrait vous intéresser. Je suis tout oui. On a conçu un schéma pour renforcer votre armure. Je vous le transmets. Si vous récupérez les ressources nécessaires sur EOS, il devrait être utilisable. Vous êtes sûr de votre coup, Mitney, ou vous prenez juste vos désirs pour des réalités? Ce n'est pas dans mon intérêt de vous faire perdre votre temps. Ça pourrait bien permettre la production en série d'armure pour toute initiative. Pas d'imprudence, pionnière. C'est cool, je le parle, il fait. Tiens, cadeau.
reçois déjà des demandes de la part des labos de Prodromos. Pionnière, Dark et Tyrvienne. J'ai cru comprendre qu'on m'avait sorti de stase en avance. Ma famille est heureuse, mais j'ai une dette envers vous. On vous aurait sorti de stase tôt ou tard. Peut-être, mais je peux au moins vous montrer ce que vous y avez gagné. Je suis exoscientifique, mais j'ai aussi eu mes jours de tacticienne. Si je devais ravitailler les cartes de cette planète, je laisserais faire la gravité. Et il n'y a pas 36 points d'insertion pour ça. Voici les coordonnées de quelques anomalies. Bonne chasse, pionnière. Ma famille vous remercie, pionnière. Parlez-moi de vous. Darkat Tyrvienne, W84 Crispin. J'ai rejoint l'initiative pour aller autre part, sans y être à part. Une famille de militaires, vous l'aurez compris. En plus, dévouée. Je voulais quitter cette vie, en m'accompagnant d'un maximum de personnes. J'ai apparemment perdu un frère pendant que j'étais en stase. Il était sur le site 2. Je suis désolée. Pas autant que les Kert s'ils osent nous menacer. Je suis pas venue ici pour voir les gens mourir. Je le permettrai pas. En gros, un dégomme des mères. Prenez soin de vous, Darkette. En plus, Darkette. Mais si, c'est super stylé. Tu imagines, tu nommes ta gosse Darkette. Si j'ai des points ici. Points ici. Ça veut dire que la radiation a dû baisser un peu partout. J'ai des quêtes ici. J'ai des quêtes partout! Ah, attends, enfin, je retourne au vaisseau du coup. Ces missions-là. Vas-y, qu'on scanne le matériau qui est là. Du coup, on se TP ici. Dans un jeu, ça passe, mais Ariel. Charrier. Ah, grave, grave. T'as des noms, franchement, faut faire gaffe à comment on appelle son gosse. Bah, maintenant, tu... par exemple, question con, hein. Enfin, question con, situation con. T'appelles ta gosse Kitorine, c'est mort. C'est mort pour elle. Ah, j'ai encore des dangers de radiation. Je n'irai pas planter mon drapeau ici, mais certains s'en feront de joie. Notre peuple a fait un sacré. Passe par là. Sacré chemin. Il n'y a rien ici qui pourra l'arrêter. C'est marrant qu'un endroit prenne aussitôt de la valeur quand on a signé pour lui. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Radiation niveau 3. Ah putain! Pas encore le moment de venir. Attends, c'est juste le temps de récupérer le minerai. Les capteurs détectent un minéral non répertorié dans ma base de données, pionnière. On peut les scanner pour Lucan? Ces informations amélioreraient considérablement son niveau. C'est quoi? On se TP en urgence là-bas. C'était pas le moment de revenir, faut attendre que les radiations se baissent. Je dis un vieux proverbe Krogan, les premiers pas annoncent bravoure et trépas. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Je
Ouais. Enregistrement de l'identification cryogénique de l'initiative E97 du Rango. Technicienne en chef, Grace Lito. La dernière a évacué. Elle ne voulait pas partir, mais elle avait tout essayé. Elle a l'air têtue. J'aime ça, les gens têtus. Je pense que c'est une mauvaise idée, finalement. De rester ici. Non, faut... Attention en cours. En fait, si tu veux, t'as dû voir hier, grâce au caveau, on a commencé à diminuer les problèmes climatologiques et radiation et tout. Et en fait, faut vraiment attendre dans le jeu un peu que ça se calme. Ah, du coup, partons sur le nouveau système alors. Vitesse, c'est de la lumière. C'est qu'il doit aller putain de vite le vaisseau parce que. À la base, il fallait utiliser les relais cosmodésiques pour se taper un endroit à un autre. Sur la trajectoire d'objets inconnus. Rectifiez la trajectoire. Sam, au boulot. La collision est imminente. Coupez les moteurs. Ah ! Des vaisseaux Kert. 12. Non, plus. Ils nous ont coincés contre le fléau. Ils sont en train de nous analyser, pionnière. T'as qu'à faire pareil. Qui est celui qui a activé les reliquats? Son empreinte génétique est là. Répondez-moi. C'est vous qui êtes sur ma route. Qui êtes-vous? Ils ont bloqué les commandes. Ils nous attirent vers leur vaisseau. Qu'est-ce que vous nous voulez? Je crains hélas que vous ne puissiez comprendre. Ryder, j'ai pratiquement repris le contrôle du vaisseau. Encore quelques secondes. J'en sais pas mal sur les reliquats, en fait. On pourrait comparer nos infos? Assez. Votre audace est naïve et hasardeuse. Ce jour marque le début de votre grandeur. Sam. J'ai calculé un trajet potentiel à travers le fléau. Vas-y. Alors, ennemi détruit. Les capteurs arrière sont touchés. Détruits par le fléau? Oui. Fais-nous sortir de là. Ça va être juste. Kalo ? Oui ! Bien joué, gamin. Ouais. Mais c'était qui, celui-là ? Ryder, on a des ennuis. Vous devez nous trouver un port tout de suite. Génial. Où est-ce qu'on est, au fait ? Les capteurs sont endommagés. Mais je crois qu'on est arrivé au caveau. Vous croyez? Gil, faites ce que vous pouvez. On atterrit. Ils veulent nous contacter. On doit se poser. Ouvrez un canal. Tov, Jagalashto. Alors, on vit en paix. Nous sommes des visiteurs d'une galaxie voisine aux intentions pacifiques.
Alf Nalesetto. Ils nous ont envoyé des coordonnées. Posez-vous. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Il faut qu'on entre dans ce caveau. Allons, vous ne comptez quand même pas y aller toute seule. On ne peut pas revivre ce qui s'est passé l'autre fois. C'est moi la pionnière. Le premier contact, c'est mon rôle. Va falloir assurer, mais j'ai confiance. On attendait que ça. De nouveaux mondes, de nouvelles rencontres. Souhaitez-moi bonne chance. Yeah, souhaitez-moi bonne chance. Donc là, je crois que c'est des Agariens. Merci. Et Hamdargos. Nassen Roy. Je suis Paharan Shai, gouverneur d'Aya. Nous sommes les Angara. Bonjour, je suis l'une des pionnières de l'initiative. Oui, vous avez traversé l'abîme. On m'a parlé de vous. Jal, tout est sous contrôle. Ephra a vu le vaisseau arriver, et il m'a envoyé voir ce qui se passe. C'est une humaine venue d'une autre galaxie. Une pionnière. Aya est cachée. Protégée. Qu'est-ce que vous voulez ? Mes excuses. Atterrir ici en catastrophe et en feu ne faisait pas vraiment partie de notre plan. C'est bon à savoir. Parce que ce serait un très mauvais plan, sinon. Je vais prévenir Ephra. Il vous attendra dans son bureau au quartier général de la Résistance. Je vous retrouve là-bas. Je vais vous accompagner. Votre équipage reste à bord du vaisseau. Suivez-moi. Restez près de moi. N'essayez pas d'explorer la ville ou d'interagir avec qui que ce soit. Les gardes d'Ephra n'hésiteront pas à employer la force, si nécessaire. Compris. Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions ? J'imagine.